Et bonjour à tous et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo pour le démarrage du téléphone. Alors j'ai mis sa coque, voilà, que j'ai racheté avec un plus gros bumper, mais transparent pour garder toujours le design du téléphone, et un écran de verre pour la sécurité de l'écran. Voilà, alors on va l'allumer. Voilà, alors il vibre. J'espère que vous n'avez pas trop avoir de reflets. Alors le téléphone est... Alors bon, là mon code PIN, parce que j'ai rentré bien sûr ma carte SIM. Le processeur, c'est un octocore. Vous mettez... voilà, tout en anglais. Donc là, bonjour. Voilà, français, commencer. Voilà. Le magazine. Robot, c'est quoi ce trop beau sur? C'est la police du système que vous souhaitez utiliser. Bon, on va utiliser ça pour l'instant. Oh. Hop, suivant. Conditions générales, bidule machin. La 7, voilà, problème d'expérience utilisateur, passez au programme d'expérience pour aider à améliorer votre système, non merci. Alors moi j'ai... Ah ouais, mais moi j'ai pas de wifi. On va ignorer. Bah, je vais mettre Ryan, hein. On s'en fout. Alors tiens, on va essayer la reconnaissance officielle, acheter des visages. Alors moi là, je vais mettre un... Bien sûr, je remets cette étape là. Alors voilà. Alors là, ils disent ajouter des données de visage. Suivant. Alors là. Alors attendez. Continuer. Donc ça, c'est Google. Ça, toujours. Bon. Normal. Une dernière chose. Sonne, non merci, je le ferai plus tard. Finition du processus. Voilà. Donc voilà. On est sur le OnePlus. Alors là, on va voir si la reconnaissance faciale. Ah oui, ça va très vite. Ah oui, quand même. Ça va très très vite. Mais attendez. Ah non. Ah oui. Franchement. Si on l'a déjà, par exemple, je vais me faire ça, clac, direct. C'est quand même très impressionnant et c'est bien foutu, je trouve. Donc là, ok. Alors le tiroir d'application. Ok, ça c'est Google Assistant. Ok. Donc voilà pour le démarrage du téléphone.
Alors, je reviens, je vais juste vous parler des écouteurs et du téléphone en face caméra. Et puis voilà, je vous dis ça. Allez, à tout de suite. Et bonjour à tous, c'est Brassio. Alors, voici le débriefing donc du coup de la prise en main. Donc, j'ai testé les écouteurs qui sont là. Ah, attendez, ici. Ah, attendez, tête up. Wouhou. Non, c'est trop éclairé. Éclaire le fond, merci. Alors, voici les caractéristiques. Donc, parce que je me rappelais plus, donc. Alors voilà, c'est. Déjà, c'est un écran AMOLED. Ce qui est vraiment. On voit quand même une différence comparée. L'iPhone 5, donc vous voyez un niveau taille d'écran, voilà quoi. Il y a un gros, écart. C'est le processeur, c'est un Snapdragon 845 couplé à 8 Go de RAM. Donc comment dire que franchement c'est un des téléphones où que niveau speed test et tout vont assez rapidement dans les applications. Et pour vous dire, j'hésitais avec le S9 de chez Samsung, mais je me disais si c'est un téléphone pour durer dans le temps. Le problème c'est que il avait que 4 Go de RAM le S9, donc j'ai dit ça va pas aller. Voilà, j'ai vite limité, j'ai bien raison parce que là ils ont sorti le Note 9 et le Note 9 va avoir 6 et 8 Go de RAM sur les versions. Donc je me suis dit quand même, voilà, c'était un bon choix que j'ai fait. Voilà, franchement, voilà. Niveau de l'écran, la définition c'est 2280 x 1080, donc. On a un peu moins que le S9, mais franchement, voilà, c'est un bel écran. Et en plus, de base, le S9, il est peut-être un tout petit peu au-dessus. Mais voilà, quoi, c'est, y a pas trop de différence. Et le nombre de pixels par pouce est de 42. La taille d'écran est d'un 6,28, donc voilà, hein, là je ne sais même pas si c'est un 4.5 ou un 5 au niveau de l'écran, donc vous voyez la différence. J'ai pris moi 128 Go couleur rouge parce que je trouvais qu'il était trop beau. Après en couleur il y avait une, Midnight Black en gros avec une coque en vert. Mais bon, comme il n'y avait pas la charge rapide et tout, j'ai dit non, faut mieux éviter. Il va tomber, voilà, ça va le faire. Donc voilà, au niveau de l'ouverture des capteurs. Alors, j'ai pas trop testé, mais ils ouvrent tous les deux à 1.7 avec une stabilisation optique. Donc avec 16 mégapixels, donc voilà. Donc voilà, la batterie c'est une 3300 mAh. Donc là, bah, pour l'instant, je peux pas vous dire, hein, bien sûr. C'est encore trop tôt. Mais voilà. La version Bluetooth c'est un 5.0. C'est une nouvelle version aux normes de Bluetooth. Et puis bah voilà. Donc j'espère que cette vidéo unboxing vous a plu. Et aussi le lecteur facial, il marche très rapidement. Pour vous dire, il éteint, il est, voilà, c'est très très rapide. C'est vrai que franchement, sur ça, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker les vidéos. Si vous avez des commentaires, à mettre ça dans l'espace commentaire. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!